brother. Et on a la ronde juste pour nous autres. Yes! Raphaël était jamais venu. Andy, une fois, il était super content. Ah, tu passes? J'avais hâte de faire l'activité avec Marc. Il était cool, il était drôle, je faisais des blagues. On est parti! Bon, les gars, on s'en va dans le boomerang. Oh non, non. Ça va aller vite? Ouais. Comme une voiture de course? Ouais. Bonne chance! Et voilà! Oh! Oh! Est-ce que vous êtes morts? Ça va? Ils sont même, ces deux-là. Bienvenue dans le bateau pirate! Oh! Passer du temps avec Marc et Raphaël, c'est tellement agréable. Je vais te le donner. Oh, comment j'avais envie de leur faire vivre des émotions fortes. On crée des liens, vous vous serrez. C'est des beaux petits souvenirs, chacun d'entre nous. Ah ouais! Ouais! Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Marc, qui est un coach formidable à la voix. Marc, bien sûr, après le spectacle de la Voix du Nord, il va être en spectacle en résidence du 7 au 31 décembre au Capitole de Québec. Ensuite, il y a une série de supplémentaires à travers le Québec. Vous allez sur marcdupré.ca.com. Et puis pour avoir tous les détails. Voici maintenant la préparation du premier finaliste de l'équipe de Marc. Des auditions à l'aveugle au champ de bataille, Andy a toujours donné des prestations magistrales. Andy, c'est grand ce qui sort de cette histoire. Salut! Pour la finale d'équipe, je vais chanter I Believe I Can Fly de R. Kelly. Andy, là, c'est une force tranquille. Quand tu vas chanter, par exemple, c'est comme un volcan. Quand on l'écoute, on pense qu'il a chanté toute sa vie. Toute sa vie, c'est pas de temps. Ce que j'aime surtout dans sa musique, c'est les parties plus aiguës. Des fois, on a l'impression là, qu'il va exploser. Là. Il est rendu tellement haut. C'est quand même fou que je suis rendue en finale. Tu me disais, on va s'envoler, le petit ballon. Il faut s'envoler. Un interprétant I Believe I Can Fly, voici Andy. Flyer.
Marie, est-ce que tu penses que tu peux voler jusqu'au ciel, notre ami? Non seulement Andy t'a pris ton envol, puis tu nous as tous amenés avec toi. T'as pris ton envol en tant que chanteur, mais t'as pris ton envol en tant que personne aussi. Puis c'est ça, la voix junior aussi. C'est la découverte de soi, de qui on est. Puis moi, j'ai vu un petit gars réservé s'épanouir carrément, puis devenir probablement le plus colleux de tous les candidats de la voix junior. Donc, t'as gagné sur toute la ligne. Bravo, Hervé. Merci beaucoup. Andy, mon petit homme, je suis tellement fier de toi. Encore une fois, une grande, grande interprétation de ta part. Tu réussis à interpréter des chansons avec un degré de difficulté tellement élevé puis avec tellement d'aisance que ça nous scie en deux. Écoute, c'est fou. Tu nous fais vivre des choses extraordinaires depuis le début de cette aventure-là. Tu continues encore. Puis tu t'amuses, puis comme Marie-Mé disait, tu sors de ta coquille, puis tu profites de tout, puis tu poses des questions à tout le monde, puis on t'aime. Merci beaucoup, mon homme. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Voici maintenant le parcours du deuxième candidat, Olivier Demarque.